السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صح فطوركم وصح شربتكم وصح حريرتكم. أرجو أن تكونوا بخير. J'espère que vous allez tous bien. هذه الليلة ليلة وترية ليلة 23 لعلها تكون ليلة القدر. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر، هذه الليلة المباركة التي شرفها الله عز وجل وذكرها في كتابه ليلة القدر، فقال سبحانه ليلة القدر خير من ألف شهر. Donc c'est la nuit de 23 Ramadan, donc c'est une nuit impair. Ça peut être la nuit de destin, la nuit del Qadr. Donc on profite, inshallah, de prier, d'invoquer Allah Azza wa Jal, de se lever la nuit avant le fajr, de faire le tahajjud, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans la prière de l'witr. On essaie de se motiver, inshallah, tous, l'un motive l'autre, pour pas vous tarder plus, inshallah, je vais partager le petit dars là en deux fois, inshallah, comme ça on ne tarde pas trop pour vous, inshallah, sauf si vous êtes d'accord, ça c'est autre chose. Nabda, inshallah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad. Assawt masmou', vous m'écoutez bien. Ça nabda, inshallah. Shahr Ramadan, kama qulna, shahrun yudhakkiruna bil jannah. Le mois de Ramadan est un mois qui nous rappelle le paradis. Et nous واصل حديثنا عن الجنة ونعيمها. قال الله سبحانه وتعالى وهو يصف أهل الجنة وهم يتنعمون ويأكلون ويشربون متكئين على الأرائك متقابلين. يصف الله عز وجل لنا حال أهل الجنة جعلني الله وإياكم منهم. فيقول سبحانه وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين اللهم اجعلنا من أهل جنتك ودار كرامتك يا رب العالمين. أو الله فنوك سوى parmi les gens de paradis يا الله. الله سبحانه وتعالى nous décrit la vie de gens de paradis, dans le paradis, comment ils sont heureux, qu'ils ont tout, qu'ils n'ont pas de soucis, qu'ils ne sont pas tristes, qu'ils sont contents, ils sont heureux. Regarde comme il nous décrit Allah subhanahu wa ta'ala, les gens de paradis. Allah a dit subhanahu wa ta'ala, les compagnons de la droite, les compagnons de la droite, quels sont donc les compagnons de la droite? Ils se tiendront au milieu du jujubier, sans épines
et des bananières bien alignées. Ils jouiront des spacieux ombrages, d'une eau courante, des fruits abondants non cueillis à l'avance, ni interdits. Ils se reposeront sur des lits élevés. C'est nous, en vérité, qui avons crié les houris d'une façon parfaite. Nous les avons faites vierges, aimantes et d'égale jeunesse pour les compagnons de la droite. Il y aura une multitude d'élus parmi les premiers arrivés et une multitude parmi les derniers. Ça, c'est les gens de paradis. Ya Allah, qu'on soit parmi ces gens-là. كل واحد منكم اليوم في هذه الدنيا يمشي إلى السوق يذهب إلى السوق فيشتري ويبيع ويأخذ ما طاب له من الطعام في الجنة أيضا هناك سوق لكن ليس سوق يعني للشراء أو البيع أو للحمل البضائع والحمل الأغراض والتعب لا لا اسمع يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع عن أنس بن مالك إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فيها كثبان المسك فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا سبحان الله في صحيح الترغيب يقول صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن في الجنة لسوقا كثبان مسك يخرجون إليها ويجتمعون إليها فيبعث الله ريحا فيدخلها بيوتهم فيقول لهم أهلهم إذا رجعوا إليهم لقد ازددتم حسنا وجمالا بعدنا فيقولون لأهلهم قد ازددتم أيضا حسنا بعدنا سبحان الله Au paradis, quand tu es maintenant dans ce bas monde, chacun parmi nous, il va au souk. Il va au marché pour faire des courses, pour porter, pour acheter, pour vendre, pour travailler. Dans le paradis aussi, il y a un souk, il y a un marché. Le souk, c'est pas comme le souk de ce bas monde. Là-bas, tu te fatigues pas. Là-bas, il n'y a pas acheter et vendre, et les soucis de risque et de l'argent et tout. Non. Tu vas là-bas, regarde ce qui t'arrive. Quand tu vas au souk de paradis, écoute, le professeur Salam a dit, au paradis, il y a un marché qui fréquenteront les gens du paradis chaque vendredi. Subhanallah. Chaque vendredi. Ce jour, il y aura des dunes, des grains, des sables parfumés de musc. Un vent provenant du nord soufflera, répandant sur eux et sur leur visage une lueur qui augmentera leur beauté. Ils retourneront auprès de leur et en étant devenus plus beaux. Eux diront, et vous, par Allah, vous êtes aussi devenus encore plus belles. Subhanallah. Selon Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dans le paradis, il y a un marché auquel il y aura des dunes de musc, vers lequel les gens du paradis se rendront et se regrouperont dès qu'ils sortiront. Allah fera souffler la bise pour les imprégner
Alors, ils retourneront dans leur demeure. Leur beauté simplifiera. Leurs femmes diront, « Par Allah, vous êtes encore plus beau !» Et les hommes de répondre, « Votre beauté s'est également amplifiée. » Ça, c'est dans le souk de paradis. Nahrul Kawthar. Nahrul Al-Kawthar. Fi sunan al-Tirmidhi, yaqulu sallallahu alayhi wa sallam. الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. هل سمعت؟ سبحان الله. وفي صحيح الترمذي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكوثر؟ قال ذاك نهر أعطانيه الله يعني في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل فيه طير أعناقها كأعناق الجزر. قال عمر إن هذه لناعمة إن هذه لناعمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلتها أنعم منها. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. أكلتها أنعم منها. الفلوف الكوثر. Al-Tirmidhi rapporte que le prophète sallam a dit « Le Kawthar est un fleuve dans le paradis. Ses bords sont en or. » Imagine-toi. Subhanallah. « Son cours est des perles et d'émeraudes. Son sable est plus parfumé que le musc. Son eau est plus sucré que le miel est plus blanche que la neige. Subhanallah. L'imam al-Tirmidhi rapporte aussi que le Prophète sallam a été interrogé sur le Kawthar. Il a dit, c'est un fleuve qu'Allah m'a donné dans le paradis. Il a donné à notre messager Muhammad sallam. Comme a dit Allah, inna a'tainaka al-Kawthar. Il dit, alayhi salatu wassalam, le Kawthar, ou c'est un fleuve qu'Allah m'a donné dans le paradis. Il est plus blanc que le lait, plus sucré que le miel. Il y a près de lui un oiseau dont le cou est comme celui d'un chameau. Subhanallah, un oiseau dont le cou est comme celui d'un chameau. Voyez, comment c'est le délice de paradis et le bonheur de paradis. Et ça, c'est juste des noms. Des noms. Mais la réalité de ces choses-là dans le paradis, il n'y a que Allah qui le sait, subhanahu wa ta'ala. Le cœur, il ne peut pas imaginer. Comme Allah, il a dit dans le hadith, tu ne peux pas. C'est juste un nom pour nous rapprocher, pour nous motiver, pour travailler pour le paradis. Mais en réalité, la vérité, c'est autre chose. Tu ne peux pas imaginer. Tout ça, il te le prépare Allah subhanahu wa ta'ala pour toi, ô toi le croyant et ô toi la croyante. C'est quelques temps, quelques moments, tu ne sais pas, demain ou après-demain, ou dans un an, ou dans quelques années, puis tu rencontres ton Seigneur. C'est rapide. Tu rencontres ton Seigneur. Et tu seras, Inch'Allah, heureux de sa rencontre. Et il te fasse rentrer au paradis, Inch'Allah ta'ala. Mais pour rentrer au paradis, comme j'ai dit, il y a un prix, il y a du travail. Parmi le travail, c'est que là, c'est l'heure de l'Isha. On se lève, on fait l'adhan, on prie la prière de l'Isha. Puis on prie Tarawih, ce qu'on peut prier, combien d'unités, fais ce que tu peux faire. Et puis tu vas te reposer un peu. Après tu te relèves la nuit et tu pries tahajjud et tu fais l'witr, la prière de l'witr à la fin, juste avant. Puis tu manges ton repas de suhoor, subhanallah, d'une adoration et une autre. C'est magnifique. C'est bien. Et donc, fais du'a pour toi, pour tout le monde, inshallah.
comment ça se fait qu'on ne te voit plus pour Aden du Maghreb? Mon frère, il faut bien consulter la page. Hein. Moi, tous les jours, je fais le Maghreb en direct. Comment ça se fait qu'on ne te voit plus au Aden du Maghreb? Tous les jours, je suis en direct, mais juste sur YouTube. Ça se voit que tu consultes pas bien la page souvent. Moi, je suis à jour, t'inquiète pas. C'est toi qui n'es pas à jour, mon frère. Consulte bien la page, tu verras qu'au moins deux ou trois fois, on a publié comme quoi le direct, il est sur YouTube et on a mis le lien d'ailleurs. Regarde bien la page. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Inch'Allah, demain, on parlera de la fin, de le reste du sujet, Inch'Allah. Il reste encore, hein, il y a quelque chose de meilleur de tout ce qu'on a parlé là sur le délice de paradis, une autre chose encore plus meilleure. Vous allez voir, Inch'Allah. Et vous allez écouter, Inch'Allah. Comme j'ai dit, si vous avez des questions ou en clôture, Inch'Allah. Le frère, Smah, il n'y a pas de problème, c'est juste. Un rappel pour tout le monde, Inch'Allah. Il faut consulter souvent, comme j'ai dit, activer votre notification. Active ta notification sur Facebook, sur YouTube. Comme ça, tu auras toujours la nouveauté, Inch'Allah. Voilà. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أسأله سبحانه أن يعيننا وإياكم على طاعته. وأن يعيننا على قيام الليل وأن يعيننا على قراءة القرآن وعلى دعائه وذكره. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aide à l'adorer subhanahu wa ta'ala et qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aide à veiller la nuit, prier, à l'invoquer, à réciter le Coran et faire de beaucoup de bonnes œuvres. Faites attention à vous, prenez soin de vous et qu'Allah vous préserve tous. Et qu'Allah nous libère de l'enfer et qu'Allah nous fasse rentrer au paradis. لا أنسى أيضا ذلك الأب نسأل الله أن يشفيه شفاء عاجلا اللهم اشفيه بشفاك وداويه بدواك واشف جميع مرضى المسلمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله صح فطوركم صح شربتكم صح حريرتكم